Je ne m'appelle pas Asie. Être raciste pour moi, c'est refuser l'autre, c'est refuser sa propre identité. Il n'y a pas de race pure, il n'y a pas de couleur pure. La seule couleur pure qu'il y a, c'est la couleur du ciel. Donc il n'y a pas... Chacun de nous a cette bête immonde, qu'on soit français, marocain, espagnol, américain. Tout le monde a... Mais il faut la combattre pour devenir des gens civilisés. Le racisme, c'est la différence en fait de la peau. De à peu près de la religion, de la culture. Être raciste, c'est contraire à la dignité humaine. Être raciste, c'est exclure des humains du développement, de l'intégration, des droits. Et ça, c'est très grave pour une nation qui se respecte. Je crois qu'on ne peut plus admettre du racisme dans notre pays. C'est pourquoi on a fait une proposition de loi, le Parti Authenticité Modernité, le groupe du PAM. On a proposé une loi pour vraiment incriminer d'une façon claire tout acte de racisme, qu'il soit au niveau national, vis-à-vis des nationaux ou vis-à-vis de subsahariens, ou encore vis-à-vis d'une ethnie, d'une race, d'un sexe ou autre. Être raciste, je crois que c'est se mépriser soi-même. Si on commet l'acte de racisme, c'est-à-dire l'idée du racisme, c'est qu'on n'a pas une grande conception de sa propre valeur en tant qu'être humain. Et donc, se reconnaître en tant qu'être humain, c'est reconnaître aussi l'humanité de l'autre, quelle que soit sa différence. Voilà, je crois que grâce à une initiative de ce genre, j'ai l'espoir qu'on va faire avancer la conscience marocaine vers l'acquisition de valeurs civilisationnelles.